Bonjour, intermutatrice et intermutateur, ici Gaëlden pour les jeux du cygne. Nous retrouvons notre colonie qui a un petit peu du mal quand même. Louis qui n'a plus de bras. Il va falloir en vitesse que je lui fasse une prothèse. Il en est ton pantalon à Célestine. Bientôt fini. Elle est là. Elle a déjà commencé. Et puis après les prothèses, hein, on passera au bionique. Un coup, un bien de soin, Boris. Va être faire soigner. Va te faire greffer un cœur. C'est une carte de cube, très bien. Changement de dépense souhaité pour Smile. Enjoy. Boris, hop, un cœur greffé et je récupère une prothèse cardiaque, j'en suis fort heureux. On va pas me terminer cela, composant 4. Un peu de temps d'axe sur la bouffe quand même. Laurie est totalement guéri, il lui manque juste des bras. Ah, du coup il peut rien faire. Ouais, non, ça sert à rien. Chasseur n'a pas d'arme à distance, oui, déconne. Oh putain, il est obligé de. Par c'est trop drôle. Quelque part, c'est trop drôle. Alors, qu'est-ce qui voulait rajeunir en vitesse, Morgan? Morgan von Brilan, bien rajeunir. Hop. Tu dormiras dans ta capsule. Hop, viens à l'univers. Paf. Ça c'est alors. Épée longue terminée. Ah. C'est bien ça. Le Kroaga va pouvoir mêler 1281. Il va pouvoir porter une meilleure arme. Priorité haute, priorité normale. Je sais pas pourquoi il me laisse des trucs par terre, mais. Alors, tu l'as mise où? La fameuse épée en plastacier, là. Comme tu auras fini de te reposer, hop. Heureusement, j'ai récupéré un peu de bouffe, là. Ça fera du bien en attendant que je puisse faire plus de chasse. Et quoi, 2 degrés, ça va, ça devrait pousser encore. J'ai toujours pas fini la prothèse là. Conversion. Chinook, hop,
recruter. Et 26 en émeu. 3,2 de résistance. Et Trouvilla 7,7. Nice. L'avantage, c'est qu'il peut encore recruter. Combien de stats? Ouais, pas terrible. Célestine, tu fais quoi? Tu dors. Animaux d'enclos affamés. Putain. Si on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. T'en avais quoi les croquettes au mix? Tu les as pas posées là? Je sais pas. Ah. Ah. Alors, my, ça en fait beaucoup quand même la force. Hein. Bordel. Bon, ceci dit, en termes de combat, Sismeuil, il est bien en termes de combat. Mécanoïde. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie d'accepter les combats en plus. Allez, tac. Oui. Greffé. Santé, hop. Voilà. On va mettre un bras droit. Oui, ça, j'ai ça aussi. C'est ça que je pourrais récolter avant l'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est cette quête? Une demande, un essaim d'académie attaquer ses colonies. Papier de guerre, très bien. Elle vous fait ses diversions afin de les distraire. Pendant qu'elle éradique l'essaim, groupe de mécanoïdes de terre. Centipède, 3. Oh là 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 là. Non merci. Ah, très bien. Alors, du coup, je vais pouvoir mettre une œil dans sa boîte.
Ensuite. Donc Zmeuil. Tiens, on va faire dodo dans ta boîte. Allez. Louer nous un bras. Ouais. Va reprendre ton. Ouais, t'as pas encore récupéré tout à fait. L'ensemble et manipulation 0. Ça va revenir. Ouais, je suis en train de me dire. Ça, si je veux qu'il les fabrique. Pourquoi est-ce que j'ai deux fois fabriqué un composant? Ah oui, c'était si jamais je voulais faire plusieurs personnes dessus. Et ça, il faut que je le mette devant. Au moins sur l'une des deux. Ah. T'as récupéré, oui, un peu, mais c'est bon. Équipé, finalement. Formidable. Ça me saoule, ça a fait ça. Tu fous toi. Tu récoltes autre chose. Tiens. Hop, ça je pourrais. Tac. On s'est jamais servi. Histoire de lui redonner de la joie et du bonheur. À quel point c'est efficace? Plus combien? Plus 30. Sympa. Mais du coup, ouais, moins 20% de conscience. Tout se fait à. Tout se fait à 20% de moins. Eh mais ils sont beaucoup trop nombreux tous ces animaux. Ah, pourquoi ça va pas toi? Ah si, son mari est mort. Bon. Ça va durer combien? 26 jours? Mais. Je vais faire c'est que là j'en ai mis les deux et là aussi la recherche s'avance plus très vite là.
si je pourrais mettre une petite table. Histoire que... Ils arrêtent de bouffer tout seul comme des... une petite table en marbre. Hein. Non, pas en marbre, en calcaire. En calcaire. En calcaire. Tac. Avec une petite chaise. Il va me faire un petit fauteuil. Je pense que... Ouais, j'ai nouveau ce qu'il faut. Oh. Ah, tiens ça. Donc, je vais m'enfiler jusque là. Crise de boulimie pour Onyx. Bon, j'ai des animaux qui sont affamés, ça va pas le faire. Ah bah tiens, ils vont pouvoir bouffer là. Ça va résoudre le problème temporairement. Mais putain, j'ai plein de foin là. Oh les gars. Non. Je veux autre chose. Zone. Non, je veux autre chose. Non, d'accord. T'as qu'à faire, j'aimerais bien que tu... Tac. Tellement pratique. Tac. Ensuite un diagonal. Tac. Voilà. Et ensuite on augmente. On supprime. Tout ça pour ne pas perdre les paramètres. Donc, ici, je veux que tu me mettes... En critique du foin. J'en ai quand même plein en stock. C'est quand même con que j'ai des animaux qui crèvent. Qui crèvent de faim alors que j'en ai plein en stock. Et Evans qui nous rejoint. Hop. Alors, Evans. Un très bon tireur. Il n'a pas de soucis de santé, c'est formidable. Tac. Non, pas de drogue. Pas de drogue. Evans, tu es un soldat donc. Alors, tu tires à 8,48. Ce qui te place. Ce qui te place après Louis. Et tu vas t'équiper d'un bon fusil. Il fait pas grand chose à part combattre. Bon, c'est la chose qui arrive. Evan, si tu es là. Hop. 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 Geôlier, tu vas te mettre en deux. Les animaux, on s'en fiche. Chasseur en deux. Cuisinier, 3. Constructeur, 4. Forestier, 4. Mineur, 4. Artisan, 3. On va faire grand-chose d'autre, par contre. Hop. Voilà. Je pourrais peut-être la mettre ailleurs, peut-être un endroit un peu plus accessible, et puis mettre davantage de batterie. Ça pourrait être utile parce que là quand même ça tire un peu. Et Katsuki, il en est où? 13 jours encore.
où tu sèmes. Soit. Ta cuisinière est ancrée de boulimie, c'est la loose. C'est quoi qui en... T'as une veste renforcée, mais jamais, aucun moment, il y a quelqu'un d'autre qui... Célestine, tu me fais quoi là? Fabrique une veste renforcée, bien. Euh, 1500, ouais. Mieux. Un petit marchand, je serais pas forcément contre. Ok. Bon, Onyx n'est plus encore créé de boulimie. Tiens, je pourrais mettre une table ici aussi. Hop. Histoire qu'ils arrêtent de bouffer en étant debout. César, Morgane. Ok. Bon. Ça y est, j'ai des gens qui s'ennuient. Plus de tâches. Alors, je pourrais chasser l'alpaga, je pourrais chasser le mégatherium. Histoire de me faire un bon stock de bouffe. Est-ce que c'est déjà le drame de nouveau? Evans, oui. Garde la télé. Same zone. Pour l'instant, c'est pas. Ah, dès que Célestine aura fini. Et... Tac, tac, non. Ouais. On va aller faire défoncer du Megatherium. Bon, je suis revenu à peu près correctement en stock. C'est l'estime. Ah, fabrication, c'est je vais pouvoir recharger. Caisson d'hypersommeil, ce qui permettra aussi de stocker. Deuxième Megatherium, il est où? Stocker d'éventuels morts. Il est là. Psychotique, formidable.
Bim. Efficace. L'alpaga, ça se chasse. Chasser. Si j'ai des gens qui s'ennuient, je vais chasser tout ce que je peux chasser. Ça les occupera. Même leur ataboum. Bon, s'il s'ennuie ceci dit, ça veut dire que je peux lancer le piratage du vaisseau qui va enclencher les raids en boucle. Hop, je vais faire une petite sauvegarde avant de lancer. Bim. Alors. C'est qu'il arrive, drone spécial en approche. Ouf. Alors, qui est le drone spécial? Il est là. Mon meilleur chercheur. Hop. Saisis Kino. Donc, pirater. Ça veut dire que je vais avoir un drone à gérer, un raid à gérer qui arrivera dans 9 h en plein milieu de la nuit. Ouais, bof. Je vais aller faire se coucher tout de suite. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Kuzikino qui va rester en piratage. Chiant, tu peux arrêter de chasser. Putain, le truc bionique, ça a toujours pas commencé. Fais. Ceci dit, maintenant, on peut aussi. Fabriquer des composants avancés. C'est quoi un composant? Waouh, 3 ans. Jusqu'à en avoir 10. Ça me semble pas mal. Dans 4 heures. Kino. Trois heures. Après Zikino, c'est Toshio. Hop.
lui faire manger avant. Est-ce qu'il a de la bouffe sur lui? Non, dommage. Ah, pété. Alors. Ah putain, il va juste au mauvais endroit. Tac. Sauve Zikino et Toshiro. Ouais, c'est un petit raid, mais. Quand même. Surtout direct. Ça c'est pas bon du tout, bordel. C'est pas bon du tout du tout. Phoenix, tu t'arrêtes. Non, t'arrêtes là. Mangazor, tu vas là. T'arrêtes là. Element first. Trois gars. Hop, mousse à raser. Hop. Ah, y a que des cacs. Tac. On va faire une liste. Une fille. Tac. Proudaf. Tac. Morgane. Tac là. Hop, estime, tac. C'est bon. Ah mais il essaie de me le péter quoi. Toshiro, tu vas manger un plat simple et ensuite tu retournes. Ah putain. Sont pris des bastos. Merde. Hop. Hop, 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 hop. Démobiliser. Si je vais arriver à éviter le deuxième raid. Bon, Toshiro qui retourne. Dynamite, t'es où là? Change sur le match, putain. Bonjour, les priorités, quoi. Ok, ça va le faire. Drone piraté. Pim. Faut juste pas être à côté. Et voilà. Hop, qui est achevé. Relique trouvée. Yes. Vous avez enfin découvert l'emplacement de la relique Arco Souvenir. Elle est logée dans une ancienne structure. Elle est protégée par un système de sécurité avec plusieurs unités indépendantes. Vous pouvez choisir de vaincre les forces de sécurité unité à la fois avant de reprendre la relique. Ou essayer de l'attraper et de fuir avant qu'elle ne puisse vous faire du mal. Après 3 jours, tous les systèmes de sécurité seront alertés. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Bien. En attendant, il va me falloir le logis, reliquaire, c'est ça, reliquaire, putain, 75 d'or, 300 de métal, si je les ai. Pas de métal d'ailleurs.
Oh, la caillasse. Il me faut de la caillasse. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme caillasse? Ordre. Tac. Je vais me chercher ça qui est pas trop loin. Tac. Et qui ne devrait pas s'effondrer a priori. Hop, tac, tac. Papillote, tu pourrais me faire une conversion sur Mangazor. Papillote. Pas bien vite, en fait, il te manque une jambe. Là. Ah putain, d'accord, c'est tout de suite quoi. Ouf. Il faut y aller s'entraîner quoi. Ok. Bon bah on va y aller. On va y aller. T'en es où? Papillote. 55%. Bon. C'est quoi? Je vais me réserver ça pour le prochain épisode. Il faut combien de temps pour j'ai juste formé la caravane? 1 jour 39. Je sais absolument pas à quel point ça va être compliqué. Il faut quand même que je me garde quelques. Je vais éviter les trop éclopés. Il faut que j'évite Akat, il faut que j'évite Papillote, Célestine c'est pas ouf, Scorpicon c'est pas ouf, mais bon ça ira quand même, 80%. Donc juste Papillote et Akatsuki à ne pas prendre. De toute façon Akatsuki je peux pas le prendre, donc ça règle le problème, mais Papillote à ne pas prendre. Scorpicon, j'ai pas la moindre idée de la difficulté que j'ai rencontrée. Je vais prendre Dynamite. Je vais prendre Croaga. Broudav qui est quand même un bon soigneur. Je vais garder Moussarazé et je vais garder Onyx. Je vais prendre Mangazor. Je vais prendre Evans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais prendre 5, 6. 7 4 bannes, putain, qu'est-ce que je veux? 4 bannes. 4 bannes et 3 dromadaires. On va prendre les balles. Ça fait mes 7. Hermanista, tu vas en prendre un peu plus, Coco?
Putain, un médicament seulement. Parce que ça a peut-être fêté un peu quand même. Oh putain la vache, tout le chocolat. Et il faut que je leur dise d'en prendre. Ils en prennent pas naturellement. Ah, c'est possible. Hop. Tac. Allez, c'est parti. C'est possible que... Non, pas de drogue. Non, le chocolat, ça en fait pas partie. Hop. Ça, ce serait plus malin si c'était par là. En fait. Nouveaux amoureux. Wouhou! Toshiro Bara. Eh, hein? Depuis le temps? Allez, c'est parti. Beaucoup de combattants quand même. Ce serait bien si j'avais pas un raid un peu trop touffu. Toshiro Ibarra, oui. Ça me libère. Ah, Chloé n'est plus dans l'état psychotique, formidable. D'apparence, ils sont libres de droit. Ah, bientôt une nouvelle recrue. On est tellement trop. Tellement trop d'animaux. Pas censé avoir un truc en critique là. Et lui ils sont quoi? Ah, en critique aussi. Ça va être important. Ça va être normal. Voilà. Ah, mais c'est pour ça. Ça devait être pour ça que je ne foutais pas les croquettes là. Ouais, je sais que Scorpicon. Et en plus, Célestine, j'en envie. Hop, Trobila. Nouvelle recrue, Trobila. Qui est un ouvrier pur. Plutôt de mêlée. Quand même. Mêlée. Les ouvriers, j'aime pas les mêmes. Je suis un mêlée. Agriculteur cuisine. Avec une cicatrice qui le démange. Donc, ouvrier. Tac, ouvrier. Tu vas aller là. Comme les copains, ce sera pas de drogue.
Là, je peux repasser sur du temps libre. Paf. Tac, tac. N'importe quoi. Temps libre. Copier. Coller. Tac. Hop, on va le faire aussi avec eux. Et donc, tac, 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 geôlier 4, chasseur, beauf, pourquoi est-ce que Zmoï il a pas d'arme à distance? C'est normal qu'il ait pas d'arme à distance, puisque c'est un combattant au cac. Zmoï, c'est totalement pas un chasseur. Très bien, il pourra l'être. Constructeur 4. Mineur 4. Artisan 4. Peut-être mettre plus d'artisans quand même. Ceux qui sont pas forcément trop mauvais. Trop bien. T'es un bon fermier. Donc je vais te mettre en 2. On va faire ça comme ça, et du coup, il lui faut une arme à Trobila. Il lui faut une arme à distance un peu naze. Ça s'appelle un fusil. Un fusil équipé. Chasse. Plus qu'un seul prisonnier, ça commence à être pas mal. Hop. Faudra penser à me cuisiner tout, à dépecer tout ça. J'ai qui du coup en cuisinier là? Smarty qui pionce. Trop bien, 32. Caravane arrivée à complexe, 3 reliques. Eh bien, on va s'arrêter ici. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça donnera. Bah déjà, ça donne un piqué de base. Salut! Ça promet. On verra ça au prochain épisode. Je vous fais des bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao!